sur le match, il regarde tout ce qui se passe. Je suis très concentré parce qu'ils ont envie de bien faire. Donc, si je peux les aider un peu dans le placement. Et on fait bien, on est pas mal. Hein. Et la preuve, on est à 2-2. Bon, c'est difficile derrière parce qu'ils arrivent quand même par vague. Et Pascal nous a sauvé un peu. Mais sur l'ensemble, c'est positif. Positif est en train de saluer les adversaires de la première période. Zinedine, quel match, mais surtout, quelle fête. Oui. Et en fait, ça se voit. En fait. On ne le fait pas souvent, mais quand on est là, on se régale d'être ensemble. Et puis en plus, toujours, c'est pour les enfants, encore Pascal qui a organisé ça, donc pour ses enfants. Donc c'est bien, en fait, on est toujours là pour quelque chose de bien en même temps. Revenir à Bordeaux justement pour la fête et pour la fête du cœur. Hein. C'est votre ville de cœur, Bordeaux, c'est juste extraordinaire. C'est la ville qui m'a accueilli quand j'étais tout jeune, après mon centre de formation à l'ESCAN. Donc j'ai passé 4 ans ici, de 92 à 96, donc des belles années. Bon, il ne faisait pas très beau. Mais non, c'est la ville qui m'a accueilli, c'est là où je me suis marié. Demain, je disais en fait que le 28 mai 94, je me suis marié à Bordeaux. Donc ça fait 25 ans. Bon, ça ne rajeunit pas, ça. Et à chaque fois que vous touchez le ballon, le public crie votre nom, Zizou, Zizou. Buteur encore une fois aujourd'hui. Ouais. C'est juste, moi, on a l'impression que c'est de la magie. Il y a de la magie pure dans cet événement. Eh oui, parce que c'est bon d'être sur le terrain. On le fait plus souvent, hein, dernièrement. Donc à chaque fois qu'on peut le faire, c'est... Ça se voit qu'on prend du plaisir. Alors je vais vous poser une question, dernière question. Toute la France attend de savoir si vous voulez Mbappé au Real Madrid.